enlever les filets de saumon, nous allons inciser la peau sur toute la longueur du dos. Et après, en inclinant légèrement la lame de notre couteau vers l'arête, on fait glisser celle-ci sur toute la longueur. Ici, couteau incliné, nous allons couper juste la chair derrière la tête. Notre premier filet, nous recommençons la même opération. Dessous, en passant bien sous la nageoire dorsale, comme ceci. Par la queue. On coupe les petites arêtes. Bien à nouveau coupé derrière la tête en biais. Il nous reste à parer notre saumon. Donc nous allons éliminer toutes les parties ventrales grasses. Ensuite, on va faire la même chose avec la partie du dos ici, comme ceci, et venir après couper la peau pour éliminer les parties grasses et noires de notre poisson. Et maintenant, retirer toutes les petites arêtes qui apparaissent ici, qu'on sent quand on passe le doigt comme ça sur le poisson. Il suffit de simplement les attraper avec la pointe, par exemple, d'un économe ou éventuellement d'un couteau d'office. Il suffit tout simplement de passer son doigt pour les repérer. On vérifie qu'on n'en a pas oublié. Il nous reste maintenant à retirer la peau de notre saumon. Donc, on va légèrement ici décoller la chair comme ceci, de façon à dégager un petit morceau de peau. Et ensuite, en inclinant légèrement la lame, en faisant attention de ne pas couper la peau, nous allons faire glisser notre couteau entre la chair et la peau. Donc, le couteau bouge à peine, il suffit tout simplement de tirer la peau comme ceci,
Nous avons maintenant retiré la peau entièrement de notre saumon.